Aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque c'est le 8 mai et que nous devrions fêter le 75e anniversaire de la victoire. Cependant, dans cette période de confinement que nous vivons, il n'est pas possible d'organiser des cérémonies, mais nous avons voulu marquer symboliquement cette date avec le président du comité du 8 mai à mes côtés et un porte-drapeau pour pouvoir déposer des gerbes à la mémoire de ceux qui, auxquels on doit notre liberté aujourd'hui. Parce que je veux rappeler que le 8 mai 45, avec la victoire, c'est le désastre humain que nous avons pu connaître avec 55 millions de morts, 6 millions de juifs qui ont été gazés et liquidés dans les camps de concentration, les tziganes, les opposants politiques, les homosexuels, c'est-à-dire c'était la fin de l'humanité. Et le message que je voudrais délivrer, c'est notre capacité de résilience, comme l'a fait le Conseil national de la résistance à la libération en établissant un programme novateur, social, qui a permis à ce que l'ensemble de notre nation puisse se relever. Le seul souhait que je peux faire, c'est que ceux qui parlent beaucoup aujourd'hui de demain, qui devrait être différent d'hier, compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, que cela ait autant d'audace et autant d'audace qu'on a eu les membres du Conseil national de la résistance en établissant un programme qui a permis à ce que chacun retrouve les voies d'une vie normale. Et c'est ce que je veux souhaiter pour notre pays, pour notre peuple, pour notre nation, au lendemain de cette crise sanitaire qui profile la crise sociale et la crise économique que nous allons vivre. Voilà quelle était la symbolique de notre dépôt de gerbes aujourd'hui. Merci.